la firme patio. Salpagate, cosito y un geste simple mais plein de signification en faveur des nécessiteux. Olive Lembe Kabila, président de l'ONG Initiative Plus, vient de donner le go de la campagne de collecte de dons bénévoles de sang pour la population de la commune de Lansele. Pour cette journée du dimanche 6 décembre, l'épouse de Joseph Kabila Kabongé va passer une partie de sa journée dominicale dans la banlieue de la capitale pour communier avec ses compatriotes. Une occasion pour elle de rendre grâce à Dieu et d'inviter les Congolais de rester unis pour le développement du pays. Pour cette campagne de sensibilisation, près de 500 poches de sang ont été collectées, séance tenante, pour le docteur Jeff Ntalaja, médecin directeur du centre hospitalier Initiative Plus, a demandé au bourgmestre de la commune de Lansele, Augustin Kana, de pérenniser cette initiative qui va permettre de sauver des vies. Chaque jour qui passe, nombreux de nos compatriotes meurent par manque de sang et d'autres, par contre, reçoivent un sang non contrôlé et sont exposés à des contaminations multiples. C'est sur ce point que j'interpelle le professionnalisme du personnel de la santé de bien veiller à ce que les sang donné pour sauver une vie n'occasionne pas alors une perte de vie. Avant de quitter la commune de Lansele, Marie-Olive Lembe Kabila a remercié les chefs coutumiers, hommes de Dieu et les notabilités de la commune de Lansele pour avoir mobilisé leurs concitoyens pour leur implication de cette action salvatrice. L'épouse de Joseph Kabila va clôturer sa journée par la visite des malades venus de Goma pour des soins appropriés. Le soleil s'était arrêté le dimanche 6 décembre sur la République démocratique du Congo pour suivre l'adresse du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la nation. Donc personne ne voulait rater le discours du premier citoyen de la République sous aucun prétexte. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabuya, avait pris toutes les dispositions pour permettre aux cadres et combattants de l'IDPS venus en milliers de bien suivre cette adresse. C'est notamment l'installation des écrans géants, des podiums devant les sièges de ces partis délimités. Tout le monde voulait voir et écouter les chefs de file de tous les Tshisekedistes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une allocution très applaudie par l'assistance, surtout à l'annonce des divorces et FCC Cash. Après ce discours, les inconditionnels de l'IDPS ont envahi le lieu public de la capitale pour manifester leur soutien total au président de la République en scandant les chansons à l'honneur du fils politique et biologique de Tshen Tshisekedi wa Mulumba. Malades courageux qui témoignent depuis leur lit sous assistance respiratoire. La deuxième vague du Covid-19 est à craindre. La dernière visite de l'équipe de l'INRB dans les hôpitaux de Kinshasa a confirmé ces faits. Le relâchement des mesures barrières en est la principale cause. Conscient du drame, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce lundi 7 décembre 2020 à l'hôtel du gouvernement le comité multisectoriel de riposte, avec notamment comme membre le ministre de la Santé publique, le ministre d'État à la communication, le ministre prêt, le président de la République. Après la présentation du dernier tableau, la situation est plus inquiétante. Pour cela, les mesures qui ont déjà été prises la semaine passée à l'occasion d'une réunion similaire autour du Premier ministre, les propositions ont été transmises au chef de l'État et le chef de l'État va nous communiquer incessamment ses appréciations quant à ceux. Et aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution de la pandémie, proposer d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont déjà été prises à notre niveau. Nous laissons la primaire au chef de l'État qui peut naturellement les évaluer, les apprécier, en retenir certaines et peut-être en ne pas en retenir d'autres. Donc nous laissons cette latitude au chef de l'État. Et la population doit retenir que l'État est là, l'État est conscient de ce risque-là et les mesures sont qui ont déjà été prises et qui ont fait peut-être l'objet des relâchements de la part de nos compatriotes, ces mesures doivent être renforcées, et en particulier en ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'extérieur. Et donc,
la santé d'abord. C'est le même comportement que ceux que nous avions préconisés déjà avant, qui ont fait l'objet de relâchements. Évidemment, il y a d'autres mesures qui seront un peu plus contraignantes, de manière à marquer la présence de l'État dans ce domaine. Toutes les propositions sont sur la table du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien n'est exclu. On se rappelle du reconfinement total et partiel de la Gombe. Une décision qui avait restreint l'accès au centre des affaires et avait paralysé les activités économiques. En une année seulement, le service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi a été pour la première fois classé dans le budget de fonctionnement à l'instar des autres services de l'État et déjà un contrat de partenariat public-privé pour la production et de nouveaux matériels a été contracté et l'amélioration des conditions de vie des agents préoccupe à haut niveau l'autorité des tutelles, les vice-premiers ministres et ministres du budget Jean-Baudouin Mayomambeki. Dans cette visite guidée par le directeur général Hugo Lolaka, le numéro 1 du budget congolais et toute son équipe veulent que les choses aillent vite. Moi, j'ai parlé du Senapi au président de la République à deux ou trois reprises. C'est dire l'importance qu'il accorde à ses services. Il m'avait enjoint de tout faire pour apporter un contrat partenariat public-privé ici au Senapi. Sur ordre du chef de l'État, j'avais écrit à tous les ministres que désormais je ne liquiderai plus les dépenses d'imprimerie. Je ne les liquiderai plus. Tout service, tout ministère qui a des travaux d'imprimerie n'a qu'à les amener ici. Après s'être étendu aux installations de la société Sidi qui loue l'espace du Senapi, Jean-Baudouin Mayomambeke veut voir un autre avenant sur ses contrats de bail qu'il souhaite gagnant-gagnant. Et comme à la tradition, le directeur général Hugo Lolaka a remis ses œuvres d'art symboliques, signe de gratitude de tous les agents du Senapi à ses membres du gouvernement. Visite d'inspection routière, il les faut de temps en temps. Elles permettent aux responsables du réseau routier, surtout sur la route nationale numéro 1, de détecter rapidement là où les problèmes se posent afin d'agir vite et bien. À la descente de la rivière Lufimi, par exemple, non loin du centre de formation de la police nationale congolaise, le grand trou qui avait emporté une grande partie de la chaussée appartient désormais à l'histoire. Les travaux ont porté sur le remblai et le curage des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Du coup, la chaussée respire, les véhicules peuvent rouler sans difficulté. Nous sommes ici dans le cadre de l'inspection routière avec les grosses pluies qui se sont abattues dernièrement. Il était de notre devoir en tant que gestionnaire du réseau de venir voir sur le terrain ce qui se passe, notamment à cet endroit ici à Lufimi. Comme certains l'ont vu précédemment, il y avait un gros trou ici et le trou a disparu. Les équipes de l'office de route sont sur chantier en train de travailler et ça se passe bien. On va progresser sur les autres sites pour voir aussi là où nous pouvons intervenir pour sécuriser le trafic. À la place Langa-Langa, l'érosion aux allures inquiétantes a été nette maîtrisée. La construction d'un grand collecteur assure plus d'un riverain. Il en est de même des travaux de remblayage et qui sécurisent de plus en plus la chaussée. D'autres travaux analogues sont exécutés à la place Setiale à Kinkole. Matériaux déployés, débouchage des caniveaux exécutés, rien n'échappe au contrôle de la brigade et de l'office des routes. Objectif, éviter le pire dans ces réseaux routiers et pour le moins important, sur la route nationale numéro 1. À l'aurore de la seconde vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo, l'inspection provinciale de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, s'en va en guerre contre le non-respect de l'application des gestes barrières, des luttes contre ce fléau sanitaire mondial, surtout le refus du port de masque obligatoire et la non-distanciation d'au moins un mètre dans les divers milieux publics, lieux mouvementés et grands carrefours de la capitale congolaise. La quête de voies efficaces et des moyens rationnels d'une socialisation sanitaire concrète des Kinois, une problématique transversale au cœur de fructueux échanges entre un panel de la notabilité de la capitale congolaise regroupé au sein du mouvement Les Kinois et l'inspecteur provincial de la PNC Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Vous avez des doutes sur certaines questions, on a donné des précisions.
En ce qui concerne le port des masques, le port des masques est obligatoire. Le port correct des masques est obligatoire dans les milieux publics, partout, sauf dans les véhicules privés. Cette vision sanitaire hautement salvatrice pour la population quinoise en particulier et congolaise en général a reçu un écho favorable auprès de ses hôtes de marque, de l'inspecteur provincial de la PNC Kinshasa. Notre entretien a tourné autour de plusieurs points. Il nous a donné beaucoup d'informations et nous, de notre, on aura le devoir d'aller sur terrain et de sensibiliser et de donner la bonne information. Parce que nous avons compris que les Kinois ne sont pas bien informés. C'est pour ça qu'on était venu voir le général. L'appropriation de tous les aspects positifs de cette socialisation grâce à la lutte contre ces fléaux sanitaires par les Kinois, à travers sa concrétisation, constitue l'un des puissants gages pour stopper et éradiquer cette maladie sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième vague de la COVID-19 qui se pointe déjà, cette descente du ministre de la Santé, Dr Etienne Longondo, dans différents hôpitaux publics, avait pour objectif d'évaluer le service d'hospitalisation, la capacité d'accueil, de prise en charge et des soins, principalement pour les malades de la COVID-19. Le ministre Etienne Longondo a réaffirmé la volonté du gouvernement d'appuyer les services pour faire face à cette seconde vague de la COVID-19. Et nous avons tout réglé, et de quoi que ces hôpitaux auront d'oxygène, de médicaments, parce que nous sommes en pleine deuxième vague de la pandémie à COVID-19. Il y a des jours où nous atteignons 130 malades positifs, nouveaux. C'est le niveau que nous avons atteint au mois de juin, au mois de juillet. La situation devient de plus en plus grave et il ne faudrait pas qu'on puisse baisser les bras. Les gestes barrières sont là et le gouvernement est en train de fournir un effort pour équiper les hôpitaux. Dernier point, l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, où le ministre de la Santé, après avoir visité l'unité Covid, a prêté une oreille attentive aux désidérata du personnel. Il y avait un problème de gestion ici au niveau de Mamayemo et je confirme que c'est un hôpital tertiaire qui dépend du niveau national. Donc on a résolu le problème de gestion en nommant un nouveau comité qui est d'ailleurs accepté par tout le monde ici. Et c'était une nomination objective. Donc ce sont des agents de Mamayemo qui ont proposé cela. Outre le centre de tri, l'hôpital général de référence de Kinshasa devra aussi accueillir les patients de la COVID-19. Il